Ce qui, pattern la pluie aussi insensé. Quand la pluie habituée tombe dans sa région-là, il n'est plus, tombe dans sa région-là, les bousées, il tombe dans une autre région. Moi, je peux dire, moi, pour donner un bon chiffre, par exemple, décembre, quand normalement nous habituons, gagne la pluie, nous finissons gagne 10,59 mm la pluie, qui représente 36% de la moyenne de ce qui nous habituons gagner. Le mois de décembre de 2022 finit le cinquième mois le plus sec durant ces 30 dernières années. Libon, moi donne aussi, par exemple, moi donne pour le mois d'août. Au mois d'août de l'année dernière, nous gagnons 61 mm la pluie qui représente 56% quantité de la pluie qui nous habitait gagner. Et c'est le quatrième mois d'août le plus sec qui fut enregistré durant 32 dernières années. Pour le mois de septembre, ça n'est pas mauvais, nous gagnons 72 mm la pluie qui représente 85% de ce qui nous habitait gagner. Le mois d'octobre, nous gagnons 73% de la moyenne. Et le mois d'octobre, là aussi, les fines, le deuxième mois d'octobre, les plus secs durant 30 dernières années. Et pour le mois novembre, nous finissons de gagner 33 mm la pluie qui représente 39% de la moyenne. Et novembre finit le quatrième mois le plus sec durant sa 30 dernières années. Pour le mois de janvier, jusqu'à aujourd'hui, nous finissons un déficit de 36% de ce qu'il applique, qu'il nous habitait gagner pendant le mois de janvier. Et ce mois-là, c'est le mois que nous gagnons plus beaucoup l'appli dans nos pays. Finalement, un peu l'appli est tombé. Nous trouvons là. Mais ce n'est pas une appli localisée. C'est même qui était là, quotidien. Ça pattern de l'appli qui nous gagnait dans nos pays-là. Ça ici, une sensé. Bon. Si nous prenons une moyenne de 10 ans, niveau nous ban réservoir, c'est-à-dire mon compte il a une période de 10 ans, là la valeur des eaux, nous niveau de nous ban réservoir, tibisan 56,6% dans sa début d'année là. Et aujourd'hui comment mon dit azot, en ce début d'année, nous a aujourd'hui 30,9%. Et ça représente un gros déficit, hein, un déficit de presque 25%. Et si nous convertis ça déficit de 25% en mètres cubes, il fait des millions de mètres cubes d'eau qui nous pas peut gagner dans nos ban réservoirs. Et c'est pourquoi qu'il me dit le changement climatique l'y peut impacter.